Ici, le ministère de la Réforme des Institutions reçoit chaque jour des citoyens gabonais qui veulent voir les choses véritablement changer. C'est le cas de M. Emmanuel Mvemba qui est venu ce matin pour déposer son dossier de contribution. Un sentiment de satisfaction totale parce que tout simplement le mouvement citoyen des volontaires de liberté a entendu l'appel du gouvernement gabonais qui avait demandé aux différentes organisations, non seulement de la société civile, mais aussi politique, de contribuer à la réflexion nationale. Nous pensons que ces contributions vont être prises en compte par le gouvernement de transition, car il s'agit de construire le pays. Les Gabonais se sont enfin décidés à porter le drapeau de leur pays très haut, car nombreux sont ceux qui se sentent concernés. En ce qui concerne la nationalité, si on peut essayer de revoir, parce que renouveler une carte d'identité, à la limite, qu'on nous envoie également renouveler notre acte de naissance. Parce que c'est ce qui justifie que je suis gabonais, c'est l'acte de naissance. D'ailleurs, un appel est lancé. C'est juste pour encourager tout le monde à le faire. Ça ne sert à rien de passer par les réseaux sociaux et puis raconter de n'importe quoi. Si quelqu'un peut déjà dire que bon, ben ça, là, ça ne va pas, ça ne me plaît pas, c'est le moment. Au lieu de passer sur les réseaux sociaux, raconter de n'importe quoi. C'est mieux qu'on aille de l'avant au lieu de reculer. Ce sont plus de 150 dossiers physiques et près de 2000 en ligne reçus à ce jour. Selon la réceptionniste des dossiers, aucun d'entre eux ne sera rejeté.